Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Amine et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui parlera, comme promis, sur la comparaison et le test de la batterie de l'iPhone 12 Pro Max et du Pixel 4 à 5G. Donc, tenez-vous prêts et j'espère que vous ne serez pas choqués du résultat à la fin. Avant de commencer à utiliser les deux téléphones, il est bien évident de les charger tout d'abord et de ce fait, on va profiter pour découvrir la nouvelle recharge à 20W pour l'iPhone 12 Pro Max et de 18W pour le Pixel 4 à 5G. Et pour cela, j'ai utilisé les deux chargeurs originaux pour les deux marques. Et du coup, on passe de suite à la première vérification après 42 minutes de recharge et on voit bien que Apple a tenu sa promesse en disant que 30 minutes suffiront pour charger le téléphone à 50% puisqu'il est à 72% maintenant. Donc un point en plus pour le Pro Max, sinon après 1h39, le Pixel 4a a rattrapé le coup et a dépassé l'iPhone en atteignant les 100% alors que le 12 Pro Max s'est chargé complètement en 1h46. Après ça, j'ai mis les caractéristiques à côté de chaque téléphone pour bien clarifier le comparatif, mais ce que vous devez savoir avant tout, c'est que les deux smartphones ont une capacité de batterie de 3885 mAh pour le Pixel 4a 5G et 3685 mAh pour le 12 Pro Max et un taux de rafraîchissement d'affichage à 60 Hz pour les deux. Sinon, la différence se résume sur la taille de l'écran. Cependant, je vous invite à regarder mes deux vidéos précédentes pour connaître toutes les caractéristiques des deux téléphones. D'ailleurs, ça serait génial de votre part de me soutenir en lâchant un pouce bleu et un commentaire pour référencer la vidéo puisqu'elle m'a pris énormément de temps. Bref, maintenant que les deux téléphones sont chargés, on commence notre test par un benchmark 3D pendant 25 minutes et là, je constate directement la différence entre les processeurs où l'animation lag énormément sur le Pixel 4 à 5G car il est en train de faire un rendu entre 4 à 7 FPS. Quant à l'iPhone qui gère facilement à 30 jusqu'à 40 FPS, et après ça, j'ai regardé des vidéos et un film pendant 2h20 sur YouTube et là, je remarque que les images sur l'iPhone sont plus proches du réel alors que le Pixel, on dirait qu'il rajoute un peu plus sur le Dynamic Range où on a l'impression que les scènes sont jouées sur un écran vert. Sinon, après ça, on commence déjà à voir une certaine différence entre les deux où le Pixel 4 à 5G est à 90% de charge alors que l'iPhone 12 Pro Max est déjà à 80%. Mais bon, on reste optimiste quand même. Après ça, j'ai filmé en vidéo HD à 30 fps sur les deux téléphones pendant 40 minutes, puis j'ai mis PUBG pendant 1 heure. Certes, le jeu est fluide sur les deux, mais je préfère largement la fluidité de l'iPhone 12 Pro Max. Et concernant la batterie, elle est à 64% sur le Pixel 4 à 5G et à 54% pour l'iPhone 12 Pro Max. Donc, en l'espace de 4h42, l'iPhone a déjà perdu la moitié de sa charge. Et en continuant avec un appel vidéo sur des réseaux sociaux le long de 40 minutes, suivi de 1h20 sur Google Maps, mais vraiment, j'étais sacrément étonné du résultat où l'iPhone était en chute libre à 23% et le Pixel, il était à 45%. Et quand j'ai regardé dans les réglages de la batterie pour voir quelle application qui a le plus consommé la batterie, et bel et bien, c'était Google Maps à ma grande surprise. Bref, en poursuivant après avec PUBG encore une fois pendant 30 minutes, puis une prise vidéo en HD à 30 fps, puis à la fin du benchmark qui suivait, l'iPhone 12 Pro Max s'est éteint après un total de 8h10. Quant au Pixel, il était à 19%. Puis il a poursuivi le parcours en solo 1h39 après l'iPhone avec un total de 9h49. Enfin, ma plus grosse surprise ne se résumait pas sur la durée de vie de la batterie de l'iPhone 12 Pro Max car j'avais déjà des doutes dès le début, mais plutôt de l'endurance du Pixel qui a dépassé de loin mes attentes. J'ai cru qu'il allait s'éteindre quelques minutes après l'iPhone, mais il a duré plus d'une heure que ce dernier. Donc bravo Google qui ont réussi leur coup cette fois-ci. En conclusion, j'ai eu une grande déception pour l'autonomie de l'iPhone 12 Pro Max qui a duré plus que 8 heures seulement. Et ce qui me tracasse le plus, c'est la 5G qui va venir en fin de cette année ou le début de l'année prochaine. Ça reste tout de même à confirmer, mais bon.
Il faut pas oublier qu'on a poussé ses capacités au maximum, donc il peut tenir facilement une journée avec un usage simple ou régulier. Et quant au Pixel, je le redis encore une fois, il joint tout simplement l'utile à l'agréable. Bref, c'est la fin pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère qu'elle était utile et surtout, j'espère qu'elle va vous aider à prendre votre décision. Bref, je vais poster une autre vidéo aussi sur la qualité photo des deux appareils. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester notifié de mes prochains tests et vidéos. Et on clôture tout simplement avec la phrase magique, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace !